Bonjour tout le monde, bonjour les co-créateurs, les co-créatrices, et puis autre espèce humanoïde. Comment allez-vous? Pour ma part, hein, ça ne tient qu'à moi, tout va bien. Tout va bien. Donc, je voulais faire un petit point très rapide. Très rapide, hein, je pense que, allez, hop, 3 minutes la vidéo? 3 minutes, c'est mon défi. Donc je voulais faire avec vous un petit point rapide sur, ben voilà, sur le lundi et aujourd'hui en fait. Donc lundi, après avoir fait ma balade en forêt, donc pour la petite blague, pour ceux que j'ai pas sur Facebook, après avoir fait ma vidéo, en fait, je me suis perdue dans la forêt. Enfin, je me suis perdue. Je n'arrivais pas à trouver la bonne sortie. Enfin, voilà. Et j'ai préféré suivre un couple de petits vieux plutôt que suivre la route que je pensais, enfin, qui était correcte. Et du coup, le couple de petits vieux m'a un peu perdu, quoi. Bref. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis là. Voilà. La balade a été un peu plus longue que prévu. C'est tout. Mais bon, tout va bien, sinon. Sinon, donc, la journée de lundi a été un peu poum-poum, hein. D'ailleurs, je tiens à remercier Julie parce qu'en fait, grâce à elle, eh ben, j'ai une barrière qui est tombée. Quand j'ai posté la vidéo donc dans la forêt, et voilà, elle m'a dit, par rapport au fait que je sois au chômage, tout ça, que j'avais du mal avec le regard des autres. Et en fait, il fallait que j'accepte le fait d'avoir, voilà, d'être au chômage, mais parce que je l'ai voulu. Voilà. Donc hier a été une journée où j'ai pas fait grand-chose. J'ai quand même co-créé, hein, avec un co-créateur du défi. J'ai mis en rapport avec une personne qui pourrait, voilà, qui je pense va pouvoir l'aider. Ensuite, ah, 2 minutes déjà. Ensuite, aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai œuvré toute la journée, toute la matinée. Je suis vraiment trop contente. J'ai fait des petits trucs sur mon blog qui ne se voient pas, mais qu'il fallait vraiment que je fasse. Donc je suis vraiment contente. L'après-midi, j'ai co-créé aussi avec une co-créatrice star du défi. Donc voilà, je suis super contente. Et puis voilà, puis j'ai encore œuvré cet après-midi donc sur mes projets, sur mon site, puisqu'en ce moment, je travaille beaucoup sur mon site, parce que pour mon projet de société, il faut vraiment que je sois... Que je sois là-bas vraiment pour vraiment trouver les locaux, tout ça. Mais même si parallèlement j'y travaille aussi, hein, voilà, j'y travaille. Non, j'œuvre, j'y œuvre. J'y œuvre, ça se dit, j'y œuvre. J'œuvre. Oh, attention, 3 minutes. Oh, bon, ce sera plus de 3 minutes. Non, mais en fait, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Faire un petit point. Donc, je suis super heureuse. J'ai vraiment accepté maintenant le fait d'être au chômage et de l'avoir voulu et de vraiment co-créer pleinement. Donc d'ailleurs, je me suis lancé un défi, c'est chaque jour, je veux absolument co-créer quelque chose. Co-créer, c'est-à-dire aider les autres à créer quelque chose. Donc si vous avez... Voilà, quelque chose, si je peux faire quelque chose pour vous, que vous pensez. Comme je dis, je suis une boîte à idées en ce moment. Donc n'hésitez pas peut-être à me parler de vos projets. Je peux peut-être réussir à, voilà, dans mon cerveau, à réfléchir à un truc qui peut-être vous aider. Voilà, donc j'ai co-créé hier, j'ai co-créé aujourd'hui. Nickel. Et puis je remercie l'univers pour tout. Pour tout, parce qu'en ce moment, c'est vraiment génial. Donc, je vous embrasse tous très fort, ça fait 4 minutes. Surtout que je vais mettre mes petites conneries au début et mes petites conneries à la fin de la vidéo. Donc, voilà. Je vous embrasse tous très, 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 très fort. Et puis, ma foi, freestyle! Freestyle power! Je vous embrasse. À très, très bientôt!